Halt! Ne bouge plus! Mieux vaut ne pas attirer l'attention ici. Shadia. C'est toi ça? Ouais. Je suis bon. Quand tu regardes Ashraf, il est typique égyptien là, quand tu regardes. Ouais. Quand tu vois Ashraf, ouais. On voit que c'est un typique égyptien. Mmh. Hein? Ouais. Pas mélangé quoi. Tu vois que c'est vraiment un égyptien, il a vraiment une tête d'égyptien. Je me demande que ce soit venu. Hein. C'est pas du tout. Son grand sang.
Ouais, bizarre les voir ensemble, ouais. Ouais. Hein? Consolation de la vengeance. On l'aura tous les deux. Je l'espère. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'y aider, frère. Et nous, t'as pu t'apprendre quelque chose? Seulement que les soldats étaient avec d'autres hommes. Des guerriers, de grande taille. L'un d'eux était roux. Des bandits? Des soldats? Je crois que c'était des gladiateurs. De l'arène de Crocodilopolis. Apparemment, ce monstre aime faire appel à des combattants. Je vais le trouver, ce monstre. Et il mourra. Brûler les corps, c'est un blasphème. Qui a fait ça? Hé, pourquoi brûle-t-on les morts? Tu ne crains donc pas les dieux? Leur âme sera maudite à jamais. J'en suis navré, mais je n'ai pas le choix, tu vois. Ce sont les dieux eux-mêmes qui nous ont envoyé ce fléau. Il faut brûler les morts pour sauver les vivants. Quel fléau?
Une peste a frappé ? À vrai dire, je l'ignore. Des anciens sont tombés malades. Des enfants sont morts en se tenant le ventre. Ils ont agonisé à côté de leurs parents, qui avaient déjà quitté ce monde. C'est un châtiment bien cruel, même pour un dieu en colère. Personne ne s'intéresse à nous. Alors toute aide est la bienvenue. Dans le Fayoum, la vie des pauvres ne vaut rien. Right decision, Gere. Mes enfants, nous compatissons à votre faim. Tournez-vous vers Sobek et il vous nourrira. Sobek vous offrira le salut. C'est encore une maigre pitance, mais elle garde en vie. Mangez, rendez grâce, et croyez en celui qui a les dents pointues. Vous êtes, c'était mauvais pour le commerce. Folie d'en manger. Les rats ne voudraient pas de cette immonde grume. Les épices ne sont pas là pour le goût, mais pour cacher la moisissure. Il faut que je parle à celui qui l'a préparé. Le Seigneur des Eaux peut prendre notre âme, mais nous nous réjouirons dans le champ des roseaux. L'éclabousseur, enfant de la grande déesse, celui qui a fait vertir les herbes, le Seigneur du Nil, Doua Sobek. Parle-moi de ce que tu manges. Où est-ce que ça vient? Un marchand le prépare pour les pauvres. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Nous l'acceptons. Vas-y, goûte si tu veux. Par les dieux, non. Je ne sais pas comment tu peux avaler ça. Faut que je parle à ce marchand. Où puis-je le trouver? Sa maison se trouve là-bas, au sud du marché. Je peux t'y conduire. Allons rendre visite à ce marchand. Je te suis. Que Sobek te récompense de ton aide. Je suis passé devant des fermes prospères. Les gens semblent y vivre bien. Pourquoi y a-t-il autant de pauvres? Ah oui, ce sont des fermes grecques. Les Grecs paient moins d'impôts, alors ils s'épanouissent. Mais les paysans égyptiens, eux, sont peu à peu chassés. Que deviennent ces terres quand les paysans partent? À la mort d'un propriétaire, la loi libère ces terres. Si elles sont bonnes, les Grecs les prennent. Sinon, le désert s'en charge. Et finalement, les Égyptiens meurent de faim. Beaucoup finissent dans les taudis. Par ici. Bédédouk a ni fayet. Bébé. T'as fait droit, là. C'est le même billard, le même truc et tout. Ouais. C'est le même endroit, tu crois? Quoi? Tu crois que c'est vraiment le même endroit? Je crois, ça a l'air, tu crois. Ça fait bizarre, c'est la fin, ça se voit, non? Fin de la saison, ouais. Même pour eux, ça doit faire bizarre quand même. Non, 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 c'est la saison 13, celle-là. La 18. Toi, celle que tu regardes à télé, c'est combien? Quoi? Celle que tu regardes à télé, c'est quelle saison? Ça doit être deux saisons avant celle-ci, je crois. Ça doit être la 10. Ah ouais.
Voici la maison du marchand qui vient manger. Même les chats ont l'air mieux nourris que les poules. Cette demeure n'a rien d'interdit. Décidément, tous les Égyptiens sont à égaux. Certains sont plus égaux que d'autres. Que les gens tombent malades. Qui oserait faire ça? Il est temps que j'aille trouver cet empoisonneur. Fais-lui goûter à sa cuisine. Que puis-je pour toi? Tu es chez moi. Tu es perdu? Tu peux m'expliquer pourquoi tu as empoisonné les pauvres? Je pense que c'est pour t'approprier leurs terres. C'est facile quand ils sont morts. Tu veux parler du mal qui règne dans les taudis? Quoi qu'on ait pu te dire, tu peux me croire, tu fais fausse route. Je fais ce que je peux pour les aider. J'ai vu ta cuisine, marchand. Je sais ce que tu fais. Et je veillerai à ce que tu sois jugé pour tes actes. Oh, je comprends. Et ça change tout. Désormais, je te considère comme un intrus. Et j'ai le droit de me protéger. Garde ! Si nous n'en serions pas là, on était montré raisonnable. Nous aurions pu arranger ça. Je refuse de mourir pour ça. Ce marchand de mort tuait les pauvres pour leur terre. Sa cupidité était leur seul prix. Fayoum d'Ibramius. Les morts seront faits. Il n'y aura plus de crémation.
C'est suspect. Bien d'être prudent par ici. Toi. Aïe. Thank you.
La prospérité pour tous ? On n'a pas de grain. Ils ont brûlé nos fermes et ils nous ont chassés. Où est-ce qu'on va trouver à manger ? On sait ce que ça veut dire. L'homme qui priait a dit vrai. Cette ferme a brûlé comme si rien, personne n'avait incendié. Il est armé. Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi aussi, je suis armée. Tu ne cours aucun danger. Calme. Je suis Baye, un Medjay. Un vrai Medjay ? Pas un Filakitaï, j'espère. Je m'appelle Zara. Ça, c'était ma ferme. Qui l'a brûlée ? Une horde. Ces Neket Yadet font tout pour nous chasser. Si j'avais été sur place, tu peux être certain que j'aurais répandu leurs boyaux au milieu de mes champs. Je dois aller prévenir mon voisin grec. Sa ferme sera peut-être la suivante. Viens avec moi. Je te suis, Zara. Nous devons protéger la région. Oui. Elle est riche et fertile. Elle mérite qu'on se batte. Comme moi. Sa ferme n'est pas loin d'ici. Voyons si tu peux me suivre, Medjay. Qu'est-ce qui t'amène dans le Fayoum ? Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs ici. Encore moins des Medjay. Je traque des meurtriers. Alors tu es au bon endroit. Ça grouille de chiens à tuer. Le Fayoum n'est plus la paisible oasis que j'ai voulu. Quand a-t-on commencé à brûler vos fermes ? Depuis l'avènement du nouveau Ptolémée, la plupart des paysans n'ont pas pris faim et ils ont été chassés. Ma famille fait partie de ceux qui ont résisté. Le combat est devenu notre vie quotidienne. J'ai tellement combattu que j'en ai oublié l'amour. Mais je suis une romantique. Mon père aurait voulu que je me marie et que je lui donne des petits-enfants. Pardieu. Moi, avec des enfants qui braillent toute la journée, il fallait protéger les terres, alors j'ai dû apprendre à me battre. L'Égypte a besoin. J'imagine que ce n'est pas ton voisin grec qui abrite ces incendiaires. Ça simplifierait les choses. Mais non. Je t'assure qu'ils n'ont pas été invités ici. Reste à distance. Je vais aller... Non. Sûrement pas. Toi, reste à distance. Moi, je vais faire couler le sang. Une paysanne guerrière qui provoque la mort. Bien. Combattons ensemble. J'aurais pas dû venir ici.
peux marcher? Je... pas vraiment, non. Les liens étaient si serrés que je ne sens plus mes jambes. Emmenez-moi avant que d'autres bandits n'arrivent. Bien. Mon pauvre. Je vais te porter. Allons-y. Eh ben, tu fais ton poids. Tu veux peut-être que ce soit moi qui le porte? Ne traînons pas ici. Zara, j'ai eu si peur. Nek, on ne peut pas vivre dans la peur. Tu dois te battre. Tu es vraiment un cadeau des dieux, Zara. Je parle de toi à tous mes amis grecs, la paysanne guerrière. Nous devons trouver le repère des bandits. Je sais peut-être où il est. Mes serviteurs ont vu des cavaliers remonter du désert blanc. Il n'y a rien d'autre que des ruines là-bas. Et ils ont parlé du fils de Ré. Je pense que c'est leur chef. Fils de Ré? Il sera bientôt fils de rien. Il est temps de prendre la route du désert, Bayek. Bayek. Très bien, très bien. Allons-y. Allons-y. Bon sang, par Anubis, ce que j'aime le désert, il me fascine, depuis toujours. La première fois que je suis venue ici, j'ai pleuré comme... Que fais-tu? Il faut y aller! Le désert révèle ce qu'il y a d'enfoui en nous. Oui, il y fait froid. Ces brigands. Où tu étais? Il faut qu'on y aille. Une combattante comme toi ne doit pas manquer de prétendants. Tu n'as jamais songé à fonder une famille? Tu n'as personne dans ton cœur? Il nous a ouvert les yeux, il nous a jamais menti, et il ne vole rien dans les fermes.
Mais il a été capturé. Le fils de Ré ne renoncera jamais. Et nous non plus. Tu sais pas ce qu'on lui a fait? Et à sa famille? Je vais te le dire. On a brûlé sa ferme sans raison. Sa famille est morte sous ses yeux. C'est pour ça qu'il déteste les fermiers encore plus que les soldats. Ils sont restés les bras croisés à regarder. Eux aussi, ils brûlent l'un après l'autre. Et ils vont l'exécuter maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous a dit que ça arriverait. Nous savons ce qu'il faut. N'était pas leur chef. Le fils de Ré, leur véritable chef, a donné des ordres depuis sa prison. Il est détenu par des soldats, dans un caravansérail non loin d'ici. C'est lui qui a ordonné les incendies. Il se prend pour un dieu, il se croit invincible. Dans ce cas, nous allons saigner ce Neketiadet et prouver qu'il a... C'est pure folie. Ils se sont tués pour rendre honneur à leur chef. Dans ce cas, nous allons saigner ce Neketiadet et prouver qu'il a tort. Tu sais te battre, Hayek. Tout comme toi. Tu as bien su t'entraîner. Brigand considère ce fils de... J'ai déjà vu ça. Si tu veux vraiment croire en quelque chose, tu croiras en n'importe quoi. Et tu feras n'importe quoi. Zara, ne discute pas cette fois. Il faut que je m'en occupe seul. Arrête de me parler comme ça, Bayek. Il n'est pas question que j'attende ici pendant que tu te bats. Écoute, ce sera mieux comme ça. Ce sera plus facile pour moi d'y aller seul. Très bien. Comme tu voudras. Je ne serai pas loin. Protège le terrier. Allez! Hey!
Rien ne dit que tout danger soit écarté. Quoi ? Te voilà ! Attends-toi à souffrir ! Je sens le sol sous mes pieds. Je grandis sans cesse. Je suis l'aîné. Je grandis et j'observe. Je suis le premier-né de Ré. La lumière du ciel. Je respire le pouvoir sous les entrailles. Facilement au nom d'un dieu. Je ne suis personne. Personne. Mais lorsque le fils de Ré se tient sur la montagne et dit « Faites-le !» Il est obéi. Nec, tu leur as dit de tuer. Je ne regrette rien. Bayek a-t-il des regrets? J'ai perdu ta famille. Tu as perdu ta famille. Pour nous, il n'y a plus de limite. Non. Nous sommes différents. Tu as brûlé des fers. Tu as tué des innocents. Tu es fou! Hypocrite! Tu peux entasser un millier de cadavres devant moi! Je resterai le même. Le monde va brûler! L'ordre ne peut le sauver! Et tu brûleras avec Medjay. Puisses-tu marcher sur les terres de la droite? Il est mort. Je
dois l'annoncer à Zara. Fils de Ré est mort. Il m'a paru étrange. Sa folie était presque sensée. Si tu la regardes d'assez près, toute folie recèle une logique. Qu'allez-vous faire maintenant? Il n'y aura plus d'incendie. Vos fermes sont sauvées. Je ne sais pas. Par contre, j'ai faim. Allons, retournons à la ferme, festoyer en paix. C'est une invitation? C'est toi, le Medjay. À toi de me le dire. Ma porte est ouverte et mon fruit est sucré. Thank you.
Kim khotib ne pray position gere Nick Ennis E mezzo quando queremos! يا حياتي بددك عني خيط